des différences de température. Putain, c'est ouf. Délire. Putain de merde. Et mais c'est immense en fait. Oh, putain, mec. C'est énorme. Attends, ça me fait trop bizarre. Deux secondes. Oh, tes mains. Oh, putain. Et d'où on a des trucs comme ça, nous? Bah, ça doit être nos arrière-grands-parents, nos machins. Grand-mère, peut-être, ça. Et j'ai un sentiment de violer un truc. J'ai des frissons. Putain, la vache. Attends, mais déjà, on est con, là, non? De quoi? C'est mieux, non? Ouais, mais je voulais être un peu discret. Bon, après, il est mort. Oui, oui. Pas non plus. Où il a des vieux fusils, des armes, des histoires sur l'histoire de France, sur l'histoire des États-Unis aussi, si possible. Feuillette les documents si tu veux. Ouais. Moi, je vais voir un petit peu s'il n'y a pas des trappes ou des machins. Si jamais t'as soif, si jamais t'as des trucs, t'as tout là-dedans. Ok. Qu'est-ce que cette merde? Si on s'embarque dans un truc. On va pas s'embarquer dans un truc, mec. T'as quoi dans ton sac? On sait jamais, bon, mec. On sait jamais. Très bon. Bien, si tu veux. Je commence par le tapis, moi. Bah, je suis dessus là. Et je suis sûr, il y a des documents stylés en fait. Il y a genre des lettres. Je sais que mon père, il a déjà pris des trucs. En fait, on arrive trop tard, ils ont dû tout prendre. Les passages secrets, ce qui est évident, c'est qu'ils peuvent pas les prendre. Donc, à mon avis, ils les connaissent pas. Ouais, pour des raisons assez évidentes. Oh. Bel engin, déjà. C'est quoi, ça? Parce qu'avec le piano, généralement, tu trouves une sonorité qui fait parler les murs, et les murs, ils vont se dire, vas-y, je m'ouvre. Essaye un fa. C'est pas un fa, ça. Non. Ah, ah. Alors non, mais... Ça bouge, non? Non. Les livres, t'as toujours un délire avec les bouquins? Forcément un délire. Dans Batman, y'a ça. Ça bouge de ton côté, là? Non. Bon, bah... Ah ouais, non, mais y'a pas de chance, hein. Bah non, mais... Bon, je vois. Ah! Quoi? Délibération du conseil municipal du 27 mai 2020. Bon délire. Et toi, tu sais comment il s'appelait, notre grand-père, en plus, là? Philippe. C'était Philippe. Bon. Tu vois, je savais même pas, mec. Bah non, mais là, c'est... Bah, j'ai eu un trou, d'un coup. Ouais, mais là, c'est fou, quand même, de pas connaître le gars à ce point-là. Bon, hein. Ouais, bon. Tu veux pas, genre, juste... Attends. Chercher... 8. Essaye 4. 4. Essaye 1000. 1000. Sanctus, Spiritum, Osanu. T'es chelou, lui, quand même. Les yeux de ton père, un peu. Un regard un peu, tu sais, je vais te bouffer. Qu'est-ce que tu fais, là? Attends, mais viens, regarde, au lieu de faire de... Ah. Viens voir. Quoi? Viens voir. Elle était pas trop mignon, là? Eh, hey, mais c'est qu'elle était pas mal, un peu, Mamita. Il y a un délire. Il y a un petit délire. Non, directement sur ses cuisses. Non, bah, là, oui, pas. Ouais. Oh, du cheval. Ouais. Bon. T'interdis pas l'accès à un bureau pendant 20 ans sans raison. C'est obligatoire qu'il cachait un truc. À chaque fois qu'on était dans le salon juste à côté, on entendait des bruits chelous. Rappelle-toi. Mais je me rappelle très bien. Rappelle-toi, on était au pied du sapin. Mamita était là un peu comme ça. Et lui, mec, il était pas là le jour de. Il était pas là le jour de. Jamais là, mec. Trop bizarre, mec. Tellement peur. Il était trop bizarre. Et une fois, j'ai entendu comme un corps qui tombait, justement. Ouais, mec. Mais c'est sûr qu'il y a un truc, ça me vénère qu'on trouve pas. C'était évident que c'était un cadavre. Il a des silencieux. Non, mais il bute pas les mecs. C'est sûr qu'il y a une cave où il y a un délire. T'as vu quand même que la seule photo qu'il a mis, c'est Noël, justement. Et encore une fois, il avait l'air intriguant. L'air de je fais la gueule, quoi. Ouais, ou je dois buter quelqu'un juste après, c'est Noël, c'est chiant. En tout cas, on connaissait pas toute celle. Je sais même pas ce qu'il faisait comme boulot, ce gars-là. Mais j'avais oublié son prénom. Quand il y avait encore Mamita, à la limite, il y avait un délire. Mais après, je te jure, cette maison m'angoisse. Ouais. Belle bouteille, ça. Putain, il en a partout des bouteilles, le salaud. Ouais, putain, ouais. Oh, putain, il avait une tête, Martin. Oh. J'avais plus le blairé, de toute façon. Il était chelou, un peu. Il était bec, je crois. T'es con. Ok. Le classeur? Une pyramide, putain, mais regarde, la pyramide. C'est les Égyptiens, c'est les complots, les Illuminati, c'est les francs-maçons. Enfin, c'est tout ça, mec. Ça peut être dangereux, fais gaffe. Ok, c'est bon.
je suis presque un peu flippé là. Prends les souvenirs, on sait jamais. L'album photo ? On sait jamais. Mais ça, très bien. Dans le doute, vas-y. Une bouteille, si jamais, s'il fait froid. Et du coup, c'est bon, je vais. Attends, t'es malade ou quoi ? Enfin, je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Mais... T'inquiète, mais fais-moi confiance, s'il te plaît. T'es prêt ? Ah bah oui. Y'a rien ? Non. Étonnant. Oh là, ouais. Rien ? C'est beaucoup là. Oui, d'accord. Et Baptiste ? On lui avait offert quoi à Noël, à papy ? Parce qu'en vrai, ça fait mal au cœur, tu vois, il y a des cadeaux sur tous les chaussures, lui, il a rien. En vrai, c'est peut-être juste un mec triste, hein. Et c'est pour ça qu'il tire la gueule, c'est peut-être parce qu'il a pas de cadeaux dans ses souliers, le mec. C'est pour ça qu'il a autant de bouteilles, aussi. Ouais. C'est quand t'es bourré, ça. Ouais. Mais t'imagines la fin de vie de merde, en fait, c'est... On allait tellement pas lui parler que le gars... Il fermait juste son bureau à clé parce qu'il voulait pas qu'on le voit dans cet état, quoi. Super. Pas du tout dans le secret, le mec. Bah non, en même temps, il y avait peu de chance. Peut-être leur foutre ces trucs, parce que... Ouais, non, mais je vais ranger. Ouais, non, mais je range avec toi, si tu veux. Non, mais t'inquiète, je vais ranger. Ça va, mec ? Ouais, ça va.